La foule rugissait. Les lumières brillaient, créant une atmosphère électrique et inoubliable. Tous les yeux étaient rivés sur la scène, alors que Lucky Love prenait place pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024. L'excitation était palpable et l'attente insoutenable. Ce n'était pas une simple performance. C'était un moment de pure magie, où la musique et l'émotion se sont entremêlées. C'était une célébration de la force, de la résilience et du pouvoir de l'esprit humain. Les athlètes et les artistes se sont unis pour montrer ce que l'humanité a de meilleur. Et Lucky Love, avec son énergie contagieuse et son talent indéniable, en était la parfaite incarnation. Chaque note, chaque mouvement était empreint de passion. Sa voix a résonné dans tout le stade, portant un message d'espoir et de possibilité. Les spectateurs étaient captivés, emportés par la puissance de sa performance. Il dansait avec une liberté à la fois captivante et inspirante. Ses mouvements étaient une expression de joie pure et de détermination. À ce moment-là, le monde a assisté à la naissance d'une étoile. Lucky Love a illuminé la scène, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de tous. Lucky Love ne faisait pas que jouer. Il partageait son histoire. Une histoire qui a trouvé un écho auprès de millions de personnes dans le monde entier. Son parcours, ses défis et ses triomphes ont touché profondément. C'était plus qu'un simple concert. C'était une expérience transformative, un moment où la musique a transcendé les barrières. C'était un témoignage du potentiel qui réside en chacun de nous. Un rappel puissant que nous avons tous la capacité de surmonter les obstacles. Lucky Love, à travers sa musique et sa présence, nous a rappelé que les limites sont auto-imposées. Il a inspiré chacun à repousser ses propres frontières. Il nous a montré qu'avec de la détermination et de la confiance en soi, tout est possible. Son exemple est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à réaliser leurs rêves. Le parcours de Lucky Love jusqu'à cette performance paralympique électrisante n'a pas été sans défi. Chaque note, chaque mélodie, chaque battement de cœur résonne avec une histoire de lutte et de triomphe. Né avec un handicap physique, il a été confronté à l'adversité dès son plus jeune âge. Les obstacles semblaient insurmontables, mais Lucky a toujours eu une étincelle de détermination en lui. Mais même enfant, Lucky a trouvé réconfort et force dans la musique. Les instruments de musique sont devenus ses compagnons constants, ses alliés dans la bataille contre les limitations physiques. C'était son échappatoire, sa thérapie, sa façon d'exprimer les émotions que les mots ne pouvaient pas tout à fait saisir. La musique lui permettait de transcender ses douleurs et ses peurs. Il passait des heures à écouter de la musique, son petit corps se balançant au rythme. Chaque chanson était une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité de rêver. En grandissant, la musique est devenue plus qu'une simple passion. Elle est devenue sa bouée de sauvetage. Elle l'a aidé à naviguer dans les eaux tumultueuses de l'adolescence. Cela lui a donné confiance, un but et un moyen de se connecter avec le monde qui l'entourait. La musique a brisé les barrières et a construit des ponts vers des amitiés et des collaborations. Grâce à la musique, Lucky a découvert sa voix. Une voix qui portait non seulement des mélodies, mais aussi des messages puissants de courage et de persévérance. Il s'est rendu compte que son handicap ne le définissait pas. Cela lui a donné du pouvoir. Il a transformé ses défis en force, ses faiblesses en atouts. Cela lui a donné une perspective unique, une histoire à raconter, un message à partager avec le monde. Un message qui résonne avec tous ceux qui luttent contre leurs propres obstacles. Et ce message, celui de l'espoir, de la résilience et du pouvoir de l'esprit humain, allait devenir la force motrice de son incroyable parcours. Un parcours qui continue d'inspirer et de toucher des vies à travers le monde. La musique n'était pas la seule passion de Lucky. Dès son plus jeune âge, il est attiré par le pouvoir expressif de la danse. Il trouvait la liberté dans le mouvement, un moyen de communiquer ses émotions et de raconter des histoires à travers son corps. La danse est devenue un autre exutoire à sa créativité, un moyen de s'affranchir des limites et d'embrasser la joie du mouvement. Il a commencé à intégrer la danse à ses performances musicales, captivant le public avec son énergie contagieuse
et son style unique. Ses performances étaient brutes, émotionnelles et indéniablement captivantes. Il parlait au cœur, rappelant à chacun que la vraie beauté vient de l'intérieur. Il ne fallut pas longtemps pour que le talent de Lucky attire l'attention des musiciens locaux. Il a commencé à collaborer avec d'autres artistes, prêtant sa voix et sa perspective unique à leur musique. Ces collaborations l'ont aidé à perfectionner son art, à développer son son et à acquérir une expérience précieuse dans l'industrie musicale. Il était en bonne voie pour réaliser ses rêves. Au fur et à mesure que la réputation de Lucky grandissait, les opportunités aussi. Il a commencé à attirer l'attention non seulement des fans, mais aussi des critiques et des professionnels de l'industrie. Il a commencé à collaborer avec certains des plus grands noms de l'industrie musicale, des artistes qui ont reconnu son talent brut et son message inspirant. Ces collaborations n'étaient pas seulement des opportunités professionnelles, mais aussi des moments d'apprentissage et de croissance personnelle. Des artistes qui ont reconnu son talent brut et son message inspirant ont voulu travailler avec lui. Ensemble, ils ont créé des morceaux qui ont touché le cœur de millions de personnes. Ces collaborations l'ont poussé à la création, l'aidant à affiner son son et à toucher un public plus large. Travailler avec des artistes établis lui a permis d'explorer de nouveaux genres et de repousser les limites de sa propre créativité, l'aidant à affiner son son et à toucher un public plus large. Chaque nouvelle collaboration était une chance de se réinventer et de montrer une facette différente de son talent. Sa grande percée est survenue lorsqu'il a été invité à se produire dans un grand festival de musique. Ce fut un moment décisif dans sa carrière. La foule, forte de dizaines de milliers de personnes, a été captivée par son énergie, sa voix et son histoire. Les réactions enthousiastes du public ont confirmé qu'il avait trouvé sa place sur la scène mondiale. A été captivé par son énergie, sa voix et son histoire. Chaque note jouée, chaque parole chantée, résonnait profondément avec les spectateurs. Sa performance a été une révélation, un témoignage du pouvoir de la musique à unir et à inspirer. Les critiques ont salué sa prestation comme l'une des meilleures du festival. Un témoignage du pouvoir de la musique à unir et à inspirer. Ce soir-là, il a prouvé que la musique pouvait transcender les barrières culturelles et linguistiques. Ce soir-là, Lucky Love a cimenté son statut d'étoile montante. Les acclamations et la standing ovation qu'il a reçues étaient la preuve de son impact. Sa performance est devenue virale, générant des millions de vues en ligne et attirant l'attention des maisons de disques du monde entier. Il était arrivé. Les réseaux sociaux ont explosé de commentaires et de partages, propulsant sa notoriété à un niveau international, générant des millions de vues en ligne et attirant l'attention des maisons de disques du monde entier. Il était arrivé. Les offres de contrats et de collaborations ont afflué, marquant le début d'une nouvelle ère pour Lucky. Mais pour Lucky, le succès n'était pas une question de gloire ou de fortune. Il voulait utiliser sa musique comme un outil de changement et d'inspiration. Il s'agissait d'utiliser sa plateforme pour inspirer les autres, pour montrer au monde que tout est possible si l'on ose rêver grand. Il a commencé à s'impliquer dans des causes sociales et à utiliser sa voix pour défendre les opprimés, pour montrer au monde que tout est possible si l'on ose rêver grand. Son parcours est devenu un modèle pour de nombreux jeunes artistes, prouvant que la persévérance et la passion peuvent mener au succès. Lorsqu'on l'interroge sur son parcours, la réponse de Lucky Love est simple mais profonde. La musique est ma voix. C'est ainsi que je partage mon histoire, mes luttes, mes triomphes. C'est comme ça que je me connecte au monde. Ses paroles trouvent un écho auprès de millions de personnes, inspirant des gens de tous horizons à embrasser leur propre singularité et à poursuivre leurs rêves. Il parle souvent de l'importance de la confiance en soi, de ne jamais renoncer à ses passions, quels que soient les obstacles. Nous sommes tous confrontés à des défis, dit-il. Mais c'est la façon dont nous les surmontons qui nous définit. Il s'agit de trouver la force en nous, de surmonter l'adversité et de ne jamais cesser d'atteindre nos rêves.
Le message d'espoir et de résilience de Lucky Love va au-delà de sa musique. Il est un ardent défenseur de l'inclusion et de l'accessibilité dans les arts, travaillant sans relâche pour créer des opportunités pour les artistes en herbe handicapée. Avec une série de collaborations réussies et une base de fans croissante, la star de Lucky Love continue de monter. Il travaille actuellement sur son premier album, mettant tout son cœur et son âme dans chaque note. L'album promet d'être un puissant témoignage de son parcours, de sa résilience et de sa croyance indéfectible au pouvoir de la musique. Mais les ambitions de Lucky vont bien au-delà du studio d'enregistrement. Il rêve de créer une fondation pour soutenir les jeunes artistes handicapés, en leur fournissant les ressources et les opportunités dont ils ont besoin pour poursuivre leur passion. Il envisage un monde où chacun, quelles que soient ses capacités, a la chance de briller. Il souhaite également